Le week-end des 16 et 17 juin, la présidente de région Christelle Morançais s'est rendue sur l'un des plus célèbres circuits automobiles du monde, celui du Mans. À l'image des 250 000 spectateurs présents, la présidente des Pays de la Loire n'aurait manqué les 24 heures pour rien au monde. Je suis très heureuse en tant que présidente de région d'être présente aujourd'hui pour cette mythique course des 24 heures du Mans, mais aussi et surtout en tant que sartoise et en tant que mancelle, parce que quand on est né ici, on vibre pendant toute la semaine avec les 24 heures. C'est un moment exceptionnel, puisque dans les rues, vous avez bien évidemment, vous parlez anglais, vous entendez parler allemand et espagnol, et puis de voir toute cette effervescence qu'il peut y avoir pendant cette course, pour nous, c'est des moments très très forts. Au-delà du rayonnement de la région, cet événement des 24 heures du Mans génère aussi d'énormes retombées économiques. Je pense bien évidemment aux nuitées, aux restaurants, c'est plus de 130 millions de retombées économiques pour le territoire sartois. Et puis également, nous à la région, nous profitons de cet événement pour envoyer des invitations à nos partenaires, recevoir également les investisseurs étrangers, parce que je vous le rappelle, la région des Pays de la Loire est une région qui attire, une région où il fait bon vivre. Donc notre objectif, c'est aussi d'attirer des investisseurs étrangers grâce à cet événement majeur. Cette année encore, ce sont pas moins de 135 millions de téléspectateurs qui ont suivi la course des 24 heures du Mans. Une belle opportunité pour la région Pays de la Loire de rayonner à l'international.